Bonjour, bienvenue à la Savonnerie Saint-Georges. Je suis Béatrice Vuitton, je suis savonnière depuis 2011. On a ouvert une boutique à Clairvaux-les-Lacs. On a installé toute notre production à Clairvaux-les-Lacs. Donc ça nous tenait à cœur de développer un petit peu la vente directe et surtout d'expliquer à la clientèle comment on fabrique. Donc, on montre la fabrication, on fait des démonstrations de fabrication. En fait, nous fabriquons nos savons à base de lait de jument et à base de lait d'ânesse par le procédé de saponification à froid. Nous fabriquons également nos crèmes de douche, toujours avec 20% de lait de jument ou de lait d'ânesse, très riche en huile et en actifs. Nous fabriquons également nos baumes karité, ce sont des baumes avec du karité fouetté en chantilly et avec des huiles végétales. Nous proposons aussi une crème visage de jour au resvératrol. Alors j'ai ici mon beurre de karité, mon beurre de coco qui est en train de fondre, hein, puisque à l'origine la matière est solide, il faut le faire fondre à 38, moins de 40 degrés. J'ajoute mes huiles essentielles, huile essentielle de géranium, huile essentielle d'orange, d'ylang-ylang et de lemongrass. Ensuite je vais y rajouter mes argiles. Là c'est de l'argile rouge, hein, c'est uniquement pour donner une belle couleur au savon. Associé avec de l'argile rose. Les argiles vont être lourdes, elles vont descendre dans le pot, donc du coup ça va permettre de bien mélanger le tout. Je rajoute mes huiles essentielles. Là on y arrive, hein. On arrive à avoir notre couleur dorée. Ça veut dire que mon beurre va être prêt. Je vais pouvoir lui ajouter l'huile d'olive. Mon hydroxyde de sodium. Donc là, à partir de là, la saponification commence. Le savon change de couleur. On passe par un vert. Des fois, on arrive presque à un vert forêt. Je vais maintenant ajouter mes ingrédients précieux. Là, je vais le couler. Et là, je vais avoir, dans un moule comme ça, 48 savons. C'est l'instant crucial. Il ne faut pas partir... Et après, je vais le couper et on va le mettre sécher 3 semaines minimum. Made in Jura, on est adhérent bah, surtout pour avoir une visibilité et puis avoir peut-être ce gage de qualité qui nous met en avant dans l'artisanat local.